Allez mes amis, dans cette vidéo, on va voir comment télécharger des musiques qu'il n'y a pas de droit d'auteur pour ne pas avoir des réclamations pour atteindre les droits d'auteur. N'oubliez pas de faire like, terminer cette vidéo et faire 60 likes à cette vidéo. Voilà mes amis, on est dans le computer ce qu'on voit ou le PC. Donc voilà mes amis, maintenant on va voir comment avoir des musiques non copyright. Et qu'il n'y a pas de droit d'auteur, ce qu'on voit, on va voir maintenant comment faire ça et avoir des vidéos qu'il n'y a pas et des sons, ce qu'on voit, on va ouvrir Google, donc voilà youtube.com, donc voilà, on attend jusqu'à l'ouvrir de YouTube parce que l'internet dans ce moment elle est trop lourde. On va attendre jusqu'à l'ouvrir de YouTube. Donc voilà, maintenant il veut ouvrir YouTube. Donc voilà, on attend. Donc voilà, YouTube a été ouvert. Maintenant, on va rechercher à ce moment. Ce qu'on voit, on va faire maintenant musique non copyright. Dans le recherche, ce qu'on voit, musique no copyright. No copyright. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses, musique no copyright, motivation. On va faire maintenant le musique no copyright, la première, pour avoir les chaînes et tout ça. Maintenant, on va voir les chaînes. Ce qu'on voit, ce qu'on a dit maintenant ici, il y a vlog no copyright, musique et audio library, et no copyright sound. Et tout ça, il est un seul associé qu'il y a divisé en trois. Et il y a les mêmes musiques comme les musiques et les trois, il y a les mêmes musiques. Ce qu'on voit, on va ouvrir le vlog no copyright. Ce qu'on voit, il y a 1 million d'abonnés. Ce qu'on voit, cette chaîne est très très cool. Donc voilà, on va ouvrir les vidéos. Ce qu'on voit, il y a une vidéo qui a publié 2 heures et qu'il y en est pas les droits d'auteur dans cette musique. Il y a beaucoup beaucoup de musique, ce qu'on voit, ce qu'on voit, il y a beaucoup beaucoup de musique non copyright. Donc voilà, on va voir une seule à titre d'exemple. Donc voilà ce qu'on voit, la musique est très très cool. Donc voilà, la musique, quand on ouvre, il n'y a pas le droit d'auteur qu'on fait dans une vidéo ou tout ça. Pas de problème. Ce qu'on voit, le description, il y a best vlog, no copyright, music, no copyright. Ce qu'on voit, peuvent utiliser dans les vidéos de YouTube. Ce qu'on voit, la musique, elle n'a pas les droits d'auteur et tout ça, il n'y a pas. Ça, ce qu'on voit, il y a ici les groupes et tout ça de la musique pour downloader. Ce qu'on va faire maintenant, ce qu'on voit, il y a le license. On va copier le license pour ne pas avoir et éviter tous les problèmes de copyright. Ce qu'on voit, on va ouvrir une chaîne que je les mets des vidéos non copyright pour voir comment faire. Et on va ouvrir maintenant Google et YouTube, ce qu'on voit. Voilà, YouTube va ouvrir maintenant. On attend 10 secondes. Donc voilà ce qu'on va voir. Ici, le YouTube va ouvrir.
Donc voilà, en attente. Je m'excuse dans ces moments, l'internet est très très cool dans ce qu'on recorde ce vidéo. Donc voilà ce qu'on va voir, le YouTube est ouvert maintenant. Et on va voir maintenant comment faire ça et le license pour éviter le copyright. Donc voilà, on va ouvrir le logo de la chaîne. Maintenant, il veut ouvrir une beaucoup d'icônes. On va voir comment avoir les vidéos pour faire le license et éviter les problèmes de copyright. Ce qu'on voit, YouTube Studio. Donc voilà, on va ouvrir le YouTube Studio. Donc voilà, le YouTube Studio va voir tous les analytiques et les vidéos pour faire le license et éviter le problème de copyright. Ce qu'on voit. Maintenant, il va ouvrir une icône de les analytics de la chaîne. Ce qu'on voit, les analytics va ouvrir maintenant. Ce qu'on voit ici, les statistiques de la chaîne et tout ça. On va éviter tout ça et on va ouvrir le contenu ou les vidéos. Donc voilà, tableau de la chaîne. Des vidéos qui est mise en ligne dans ma chaîne. Donc voilà, le lien de la chaîne est dans la description pour voir beaucoup des vidéos non copyright. Donc voilà ce qu'on va voir maintenant. J'ai mis beaucoup les deux vidéos, et il y a les vidéos non copyright et aussi les musiques non copyright. Dans la prochaine vidéo, on va voir les vidéos non copyright et les photos. Ce qu'on voit, tout il n'a pas le Content ID. Donc voilà, on va voir maintenant les détails. Les détails de la vidéo pour éviter le problème, tous les problèmes de copyright. Donc voilà, le description, il n'y a pas le license, mais on va éviter tout ça parce que la musique est non copyright et pour utiliser, on va faire le license qu'on voit. On a évité, on va faire écrire ce qu'on voit, on va écrire musique no copyright. Et on va mettre slash ou entrée et on va coller le license. Ce qu'on voit, le license est pour éviter le problème de copyright parce que vous utilisez le Creative Commons license. Donc voilà, tout ça il est presque terminé. Et pour terminer, on va cliquer sur enregistrer. Et donc voilà, ici on a évité tous les problèmes et tout ça pour le copyright.